Mohamed Azaya, c'est l'artiste Caracol pour le moment dans les boîtes de nuit, mais pourquoi pas dans les concerts côté de l'Afrique, partout d'ailleurs, dans le monde entier. Aujourd'hui, il est incontestablement demandé, Azaya, avec la musique sans frontières. On écoute ça, à Farafoura. Yeah.
Rock FM. Quello mattuato un po' di valore. Dans ce studio, 17h27 minutes, vous écoutez la radio nationale confirmée, signée Konga Kora, c'est la nouveauté et qui caracole pour le moment. Aujourd'hui, écoutez le gars aussi, franchement, l'enfant terrible de Conakry aujourd'hui, il est entre Bamako, mais pourquoi pas partout d'ailleurs en Afrique. Il a l'habitude d'accompagner non seulement Salif Keita, le monde des Mansa, lui pour chanter, mais aussi Tiken Djapakoli. Lui, c'est Konga Kora de la Guinée. Come on.
écoutez Coloma 88.5 FM. Coloma Soir pour une soirée débattue. Musicale de la radio nationale. Si vous êtes invoqué dans la famille qu'on appelle Kampouni entre et Kamsar, évoqué, c'est vrai, c'est le village de Petit Kanga, l'enfant de Kampouni aujourd'hui, actuellement d'ailleurs à Paris, pour des événements dignes de nom. On écoute Petit Kanga, et bien là, le morceau s'intitule Ntomo, extrait de l'album Ntomo, sa dernière signature. On écoute de Ponta Kanga.
Ensuite, lui, c'est le familier de Fadama, on l'appelle Amadou Fofa. Dans la programmation de ce samedi soir, vos tendances infernales, c'est l'équivalent pour tous les goûts et pour toutes les couches. Restez fidèles, elle m'accompagne aux opérations techniques. Malou Fatoumata Camara, ici au micro. Animation, Samba Camus, jusqu'à 21h. Thank you.
Thank you.
51 minutes côté de Mamou, aussi dans l'Issa. Et bien voilà, c'est sur la route de Mamou, restez fidèles. Nous étions avec l'homme en Sidibé, l'enfant de Orefelo, qui était de la programmation de ce samedi soir dans Colo. Au soir, où que vous soyez, ici même, nous continuons avec cette diva de la musique guinéenne actuellement à plutôt. Elle a quitté Bamako avant-hier pour Paris. Oui, nous étions ensemble côté de Cancan pour l'événement qu'on appelle la Grande Mamaya. À l'instant, Malou Kanté sur la radio nationale. Bye.
Ils sont vraiment nombreux à nous écouter. Elle s'appelle aussi Ekade Junior de Bamba. Et là, Madame Bande, restez fidèle. Et Fangan Luina, il y a un flou. Elle a aimé le morceau qu'on appelle Flo de l'artiste qu'on appelle Azaya. Merci beaucoup. Et on n'oublie pas aussi notre papa chéri, hein, le papa de ma technicienne qui est en train de me conduire à l'instant. On appelle mon papa, Camara, si vous voulez, CFP de Bokeh. Voilà, fidèle parmi les fidèles, monsieur Ibrahim Ansori Camara, côté de Bokeh. Certainement, ils sont à l'écoute. On n'oublie pas aussi Aboubakar Camara et puis sa sœur Mariam Camara. Et bien là, ils sont tous à Bokeh. Franchement, merci de votre fidélité. On n'oublie pas aussi notre cher ami, Paris. Et les amis, il y a les vrais amis. Aïe, aïe, aïe. L'impérial varie tout à l'heure. Les informations, mais d'ici là, on écoute Djikouri Apanta, la Fadi Mamba. La famille Camara insiste et persiste côté de Bokeh, mais plus précisément 400 bâtiments, oui. Et bien là, je veux parler de M. Camara, Ibrahim Ansori, père de famille. Et on n'oublie pas aussi notre sœur qu'on appelle Mariam Camara. Et bien là, le papa travaille, il est CFP côté de Bokeh, hein. Voilà, c'est comme ça, on va dire. Parce que là, ils sont fidèles, très fidèles, parmi les fidèles, tout le temps à l'écoute de cette radio. Mais tout à l'heure, les informations avant tout. Mais d'ici là, on écoute Nicolas. Ni bongo, ame la rafa fema. Ini sulu ha gine na rafa fema. Ini bongo.
détonatrice de Kouya Fanta sur la platine musicale de la radio nationale, où que vous soyez, exactement dans ce studio. Il est 18h à Dokomé. Je vous laisse en compagnie de Omar Bari, l'enfant de Dokomé, pour vous informer. Voici le flash d'information, où que vous soyez. Omar Bari, bonsoir et bonne arrivée dans ce studio. Bonsoir à Samba Kamis Kamara, bonsoir aux auditeurs de Radio Guinée. Le dialogue interguinéen, le dialogue politique bien sûr, se poursuit à Conakry. Il a démarré jeudi. Hier vendredi, les débats ont porté essentiellement sur la libération des personnes arrêtées lors des manifestations politiques à Anguille. Le Maroc officiellement demande.